Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo importante. Restez bien attentifs à ce qui va suivre car je vais vous faire la démonstration d'un logiciel de dingue, un extrêmement efficace qui vous permettra de catapulter vos résultats en ligne, de multiplier votre chiffre d'affaires en créant des publicités gagnantes du premier coup. Cet outil s'appelle AskClub. Je suis vraiment content de vous faire cette démonstration aujourd'hui car je sais que cet outil vous fera beaucoup de bien et vous permettra d'optimiser vos résultats. Vous le savez, si vous êtes membre d'un ou de plusieurs programmes de la Freecom Academy ou si vous suivez nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube, l'objectif principal de la Freecom est de vous permettre d'arracher votre liberté financière grâce à vos business en ligne. Qui dit business en ligne dit vente en ligne et qui dit vente en ligne dit promotion en ligne. Donc pour vendre, il faut d'abord promouvoir ses produits à votre audience. Et si vous êtes déjà familier des business en ligne, vous savez que le moyen le plus rapide pour générer des ventes en ligne, c'est de créer des publicités en ligne. Et qui dit publicité dit fatalement dépenser de l'argent avant de gagner de l'argent. Bien entendu, quand on a un business en ligne, c'est normal de devoir dépenser de l'argent avant d'en récupérer. Mais par contre, quand on crée des publicités et que ces publicités ne rapportent pas, on perd de l'argent. Du coup, avant de vous montrer le potentiel de Ads Club, j'aimerais avant toute chose vous poser quelques questions. Aimeriez-vous dénicher toutes les publicités rentables instantanément dans n'importe quelle niche, n'importe quelle thématique, n'importe quel pays. Imaginez si vous pouviez dès maintenant trouver ce qui fonctionne en ce moment dans votre thématique. Imaginez l'économie, le gain de temps que vous feriez si vous pouviez dénicher dès maintenant les meilleures publicités, celles qui rapportent le plus dans votre thématique. Aimeriez-vous espionner facilement vos concurrents et recopier, dupliquer, copier leur stratégie gagnante. Dans 95% des cas, vous n'êtes pas le premier à se lancer dans ce business. Vous avez d'autres personnes, d'autres entreprises, des concurrents qui se sont déjà lancés dans ce business, qui ont du succès dans ce business, dans cette niche, dans cette thématique et qui eux aussi font de la publicité en ligne. Imaginez un instant si vous pouviez être en mesure de trouver la cible de vos concurrents et comment ils créent leur publicité, le texte publicitaire, les images, absolument tout, en bref, toute leur stratégie. Et imaginez si vous pouviez recopier tout simplement leur stratégie en quelques clics. Autre question, aimeriez-vous décupler vos ventes grâce à des annonces winner du premier coup? Si vous êtes dans un business en ligne, quel que soit le business, que ce soit de l'affiliation, du dropshipping, Amazon FBA, du prix de ton demande, du e-commerce classique, de l'infoprenariat, aujourd'hui, quand vous créez des publicités, quand vous appliquez la méthode standard que tout le monde applique, vous devez allouer un budget publicitaire pour pouvoir tester différentes publicités, différentes annonces, différents produits pour savoir lequel va être rentable, lequel va être un winner. Sur 10 publicités, il se peut que vous n'ayez que 2 ou 3 winners, c'est-à-dire des produits qui vont cartonner, qui vont être rentables, mais il se peut également que vous n'en ayez un seul, voire aucun. Et quand vous n'en avez aucun, ça signifie que vous n'avez que des publicités perdantes, et quand vous avez des publicités perdantes, et bien vous perdez de l'argent, c'est logique. Et non seulement vous perdez de l'argent, mais vous perdez également du temps, mais aussi de la confiance en soi. Puisque quand vous vous lancez, surtout quand vous êtes débutant et en créant un petit business, vous voulez des résultats rapides. Et quand vous avez des publicités perdantes sur publicités perdantes, eh bien, très souvent, vous vous découragez. C'est arrivé à beaucoup de mes élèves qui m'expliquaient que quand ils se lançaient, eh bien, ils avaient un petit budget et avec ce petit budget, ils voulaient faire du one shot. C'est-à-dire que du premier coup, ils voulaient trouver un produit rentable, un produit qui cartonne. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la majorité des cas. Il faut faire des tests. Et qui dit faire des tests dit perdre de l'argent. Et quand on perd de l'argent, quand on n'en a pas beaucoup, on a envie tout simplement d'arrêter ce business et au final, on est dégoûté. On finit par penser que le prix de ton demande, le dropshipping, l'affiliation, ça ne fonctionne pas.
alors qu'on sait que d'autres rencontrent beaucoup de succès. Malheureusement, on ne peut pas savoir facilement comment ceux qui réussissent font pour réussir. Et bien, si vous pouviez créer des annonces winner du premier coup, imaginez un peu l'impact que cela aurait sur votre business. Imaginez les résultats que vous auriez et comment cela transformerait votre entreprise. Alors, bien entendu, quand vous avez un business en ligne, la publicité n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien essayer de générer du trafic gratuitement de manière organique. Et d'ailleurs, il faut avoir une stratégie pour générer du trafic gratuitement. Ça, je le dis tout le temps à mes élèves dans les programmes complets. En revanche, la publicité va être indispensable si vous voulez faire passer votre chiffre d'affaires à un autre niveau. Et quand vous savez créer des publicités rentables, des publicités qui rapportent des clients, et bien automatiquement vos résultats vont exploser. Aujourd'hui, 47% des entrepreneurs achètent un produit après avoir vu une publicité sur les réseaux sociaux. Il y a donc Facebook qui est le réseau principal avec Facebook Ads. Tout le monde connaît la publicité sur Facebook. Sa rentabilité n'est plus à prouver, mais vous avez également Instagram Ads. Instagram appartient à Facebook, du coup vous lancez des publicités sur Instagram depuis Facebook. Google Ads qui est très très important pour pouvoir trouver du trafic chaud. Et puis vous avez YouTube sur lequel le trafic il est qualifié, il est également moins cher puisque les coûts par clic ou par vue sur YouTube sont beaucoup moins chers que les coûts par clic sur Google. En bref, aujourd'hui, il est important d'avoir une stratégie publicitaire sur l'ensemble de ces réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Google. Et bien, si vous pouviez créer des annonces winner du premier coup, imaginez un peu l'impact que cela aurait sur votre business. Imaginez les résultats que vous auriez et comment cela transformerait votre entreprise. Et bien, aujourd'hui, cela est possible grâce à notre outil Ads Club. C'est un outil qui a été pensé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Grâce à Ads Club, vous pourrez dès aujourd'hui trouver toutes les publicités de vos concurrents, trouver ce qui fonctionne pour eux et répliquer exactement ce qu'ils font dans votre thématique, sans effort, sans perdre du temps. Ainsi, vous pourrez tout de suite créer des publicités gagnantes. Vous n'aurez plus besoin de dépenser de l'argent dans des publicités perdantes. Et une fois que vous aurez utilisé Ads Club, je vous garantis que vous ne pourrez plus vous en passer. Je vous fais une démonstration en live. Donc ici, nous avons donc la partie Facebook Ads pour trouver toutes les publicités sur Facebook, de vos concurrents sur Facebook. Vous avez Instagram Ads qui va être la même chose. Vous allez pouvoir trouver les publicités sur Instagram. Vous avez également Google Ads, donc Google AdWords. Vous pourrez trouver toutes les publicités de vos concurrents sur Google, mais également sur YouTube. Vous pourrez trouver des publicités du coup par mot-clé, par publicitaire si vous connaissez le nom de votre concurrent, par nom de domaine également. Si vous avez le site web de concurrent, vous pourrez trouver tout de suite ce qu'il fait en ce moment. Vous pourrez ensuite trier par like, par commentaire, par partage, par nouveauté. Vous pourrez également chercher en fonction des plateformes e-commerce. Vous pourrez également trier par pays, par genre, par langage, par âge. Enfin bref, vous avez vraiment tout un tas d'options pour affiner vos publicités. Donc, alors, admettons qu'aujourd'hui, vous désiriez vous lancer en dropshipping, qui est un excellent business pour se lancer en 2021 et pour les années à venir. Et admettons également que vous n'ayez aucune idée de niche dans laquelle vous pourriez vous lancer. Vous ne savez absolument pas quel produit lancer aujourd'hui. Alors, vous avez deux solutions. La première solution, c'est celle sans Ads Club. Sans Ads Club, vous allez devoir tester tout un tas de produits en faisant tout un tas de publicités en espérant pouvoir trouver un qui va être rentable rapidement et qui va rembourser toutes les publicités perdantes. Ça, c'est l'option 1. Vous avez l'option 2. En ayant Ads Club entre vos mains, vous allez pouvoir juste chercher donc Shopify ici. Vous mettez du coup le pays, donc le pays, on va mettre la France dans notre exemple. Ça marche pour n'importe quel type de pays. Et en cliquant sur Search Ads, ça va me sortir toutes les publicités de personnes qui utilisent Shopify aujourd'hui en France, sur le marché français. D'accord? Donc je vais rajouter la langue française, French, chercher. Et hop, voilà, ça me sort toutes les publicités qui courent actuellement. Bien entendu, on va venir les trier par exemple par nombre de likes.
Voilà. Je peux également mettre ce que le nombre de likes minimum et maximum, enfin du moins la rangée de likes que je souhaite avoir pour vraiment filtrer au maximum. Et là, du coup, en 3 clics, j'ai tout un tas d'idées de produits. Et ces produits, je sais que cela fonctionne. On a ici une litière pour chat. Je ne savais même pas que ça pourrait être une bonne niche. Et pourtant, ça l'est. Plus de 56 000 likes, plus de 20 000 commentaires, plus de 27 000 partages. C'est une publicité qui est sortie depuis avril 2020. Nous sommes en 2021 et la publicité continue de tourner. Ça signifie que cette seule publicité continue de rapporter de l'argent à son propriétaire, EasyCats. On a ensuite un couvre-chaussures. On a des produits pour bébé, on a des produits sportifs, on a des produits minceurs, on a des coussins pour chiens. Effectivement, le coussin pour chien, c'est une bonne niche pour l'avoir testé personnellement. On a des collections de bagues. Là encore, on a des coussins pour chiens. On a déjà donc deux publicités de coussins pour chiens qui fonctionnent bien. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures. Donc, dans cet exemple, on a encore une publicité pour chien. Donc dans cet exemple, et bien du coup, on va prendre justement cette publicité pour chien. Quand on a une publicité qui nous plaît bien, on peut ici cliquer sur Ajouter aux favoris, donc l'étoile qui est ici. Et une fois qu'on a cliqué ici, ça va être rajouté dans la partie favoris. Donc sur mon compte, dans les favoris, je vais pouvoir retrouver la publicité que j'ai sauvegardée. OK? Ici, je pourrais voir tous les détails de cette publicité. Donc là, j'ai cliqué dessus. Ça me ressort du coup la publicité et j'aurai également le ciblage. Donc on voit qu'ici que 77% des personnes qui ont répondu présent à cette publicité, ce sont des hommes. Et justement, moi, j'aurais pensé que cela aurait été des femmes et pourtant non. Donc effectivement, j'aurais plutôt visé des femmes. Et quand on regarde ici, en fait, il faut viser des hommes. D'accord? Donc en termes de pays, donc on a la France, l'Espagne et les États-Unis à 33% chacun. Donc c'est quelqu'un qui vend sur 3 pays différents. Ensuite, on a le groupe d'âge et on voit que l'écrasante majorité des personnes qui répondent présents sur cette publicité, ce sont les 20-24 ans. Ensuite, on a les 25-34 ans. Donc en gros, si on veut aujourd'hui cibler, faire une publicité pour les chiens, on va venir cibler du coup principalement les hommes âgés entre 20 et 34 ans. Ou alors on peut cibler les hommes et les femmes, ce n'est pas bien grave, mais en tout cas, la tranche d'âge, elle est de 20 à 34 ans. Ce n'est pas la peine d'aller au-dessus, on voit bien que l'écrasante majorité, ce sont les 20-24 ans et les 25-34 ans, donc on va rester dessus. Ainsi, en 5 minutes, je vois tout de suite ce que je peux faire. Donc, read more ici, donc j'ai le texte publicitaire. Okay, que je peux venir répliquer. J'ai la vidéo. En faisant un clic droit comme ici, je peux tout simplement enregistrer la vidéo et la réutiliser à mon souhait. Je peux la modifier, je peux rajouter mon logo, je peux faire ce que je veux, ça sera ma vidéo. Et puis pour aller plus loin, je peux aller du coup sur la landing page. Donc je vais cliquer ici dans un nouvel onglet. Hop, j'arrive ici donc sur le coussin. Ainsi, non seulement je vois donc la page de vente finale, mais je vois aussi comment le site web il est foutu et je vois si je peux faire mieux. Ok? Je vois exactement ce que je dois faire. Si je n'ai jamais fait de dropshipping aujourd'hui avec Ads Club, je vois tout de suite ce que je dois faire. Je vois tout de suite ce qui fonctionne. C'est simple comme bonjour. On ne peut pas faire plus simple que ça. Et là, je vois du coup tout le site web et je peux aller me balader du coup sur le site web pour voir un peu ce qui fonctionne pour lui. Et petite astuce, vous allez rajouter l'onglet, l'extension Chrome Commerce Inspector, c'est 100% gratuit. Et avec cette extension, vous allez pouvoir trouver plusieurs informations intéressantes sur le site gratuitement. Donc ici, on a le nom du thème. Donc si vous voulez créer une boutique Shopify et que vous voulez que cette boutique ressemble à celle-ci, vous connaîtrez tout de suite le thème qu'utilise la boutique. En allant dans Product, vous verrez également les différents produits qui se vendent sur cette boutique. Et là, on voit que la boutique, elle a au moins 2 ans. Donc ça fait au moins 2 ans que cette personne, elle a arraché sa liberté financière.
Ici, on a la partie application qui va nous sortir différentes applications qu'utilise le site web. Donc, parfois, ça ne sort pas toutes les applications, ça reste un outil gratuit. Donc on ne peut pas trop lui demander, mais en tout cas, avec ça, on a déjà pas mal d'informations. Ici, on voit que la principale source de trafic pour ce site, c'est les réseaux sociaux. Donc, forcément, c'est de la publicité. Cette personne, elle sait faire des publicités gagnantes. Ce qui ramène pratiquement la moitié du trafic sur son site web. Et bien vous qui ne savez pas faire de la publicité gagnante, vous allez répliquer tout simplement ce qui fonctionne pour lui. Si cela fonctionne pour lui, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Voilà. Donc là, du coup, on a la publicité, le texte publicitaire, on a le ciblage, on a la vidéo et on a également la page de vente que l'on peut répliquer. Du coup, si vous passez ne serait-ce que 15 minutes à faire ça en épluchant différentes publicités, eh bien vous pourrez créer vous-même votre boutique Shopify en répliquant tout simplement des boutiques qui fonctionnent. Ensuite, pour ceux qui souhaitent faire par exemple du prix ton demande, admettons que cette fois-ci je vais retirer Shopify et je vais aller dans le mode de recherche. Dans le mode de recherche, je peux chercher des mots-clés. Et quand je dis mots-clés, je peux trouver des mots-clés du coup dans le texte publicitaire, dans les commentaires, mais également sur la landing page elle-même. C'est extrêmement puissant. Et du coup, si je mets par exemple Tizili, ça va me trouver toutes les publicités qui ont une landing page avec le mot Tizili dessus. Tizili, c'est l'une des principales marketplaces de prix de ton demande aujourd'hui. Les élèves du programme complet savent que c'est l'une de mes plateformes préférées pour vendre en prix ton demande, et du coup, quand on cherche des idées de produits en prix ton demande, on va voir ce qui fonctionne actuellement sur les marketplaces. Donc là, on a Tizili, chercher, et hop, j'ai différents designs. J'ai tous les designs ici. Donc, effectivement, là, j'ai déjà trié par like, donc c'est bon. Du coup, je vois exactement ce qui fonctionne en ce moment. Je suis pas petit, je s'appelle Groot. J'ai deux titres, papa et beau papa. Effectivement, c'est sympa comme nom. Je confirme à mon thème papa, etc., etc. Pas de panique. Bon, voilà, il y a pas mal d'idées de design. Et je vois que beaucoup de design tournent autour de la thématique des parents. Du coup, on devine ici que l'on a une bonne niche. C'est celle des parents et puis des enfants. De la relation entre parents et enfants, les pères, les mères, les enfants. Donc là, tout de suite, on voit dans quelle niche se lancer. Et on voit également des idées de design intéressants. Okay, on voit plein de designs pour bébé. Ça signifie qu'on devrait faire des designs pour bébé. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, encore une fois, les designs qui nous intéressent, on va tout simplement les mettre dans les favoris. On peut cliquer ici pour voir tous les détails. Donc la fête des mères s'est passée déjà, mais en tout cas ici, on aurait eu une bonne idée de cadeau pour la fête des mères. On a la page de vente. Et voilà, avec le prix, le texte, on voit donc du coup le produit en question. Et comme je vous disais, vu qu'il s'agit de tizili.com, il y a forcément le mot tizili dessus sur la page de vente. Et donc du coup, ça m'a ressorti ce produit. Ok? Et donc du coup, en continuant dans cette lancée, je peux chercher par exemple l'inspiration à l'international. Donc cette fois-ci, je vais mettre anglais. Donc English, je vais retirer du coup le pays, chercher. Et là, ça va me sortir toutes les publicités du monde. Tout simplement, enfin, toutes les publicités en anglais. Voilà. Et là encore, je vois tout de suite ce qui fonctionne. Et du coup, je peux le répliquer sur le marché francophone. Soit dit en passant, si vous faites du prix ton demande, je vous conseille fortement de viser le marché francophone. Vous avez un boulevard devant vous. Ici donc sur Instagram, je peux faire exactement la même chose en cherchant donc par mots-clés, par publicitaire, par nom de domaine. Je peux trier également donc par like ou par commentaire. J'aime bien trier par like personnellement, puisque si une publicité a beaucoup de likes, donc beaucoup d'engagement, ça sous-entend fortement que derrière, il y a des ventes. Surtout si c'est une publicité qui dure depuis un certain temps. Donc mes deux triages préférés, ce sont donc le tri par like et le tri par Running Longest. Si je veux faire de l'affiliation pour des produits minceurs, par exemple, et bien ici, dans Keywords, je vais chercher dans le commentaire, dans le texte, je vais chercher par exemple régime. Ici, je mets régime et que je mets chercher. Et voilà, là, j'obtiens, donc je vais trier par like encore une fois.
Et là, j'ai tout un tas d'idées de publicité pour mon régime. Si je veux faire la promotion d'un régime en affiliation, eh ben, je vois exactement ce qui fonctionne. Ici, on a 2200 likes, ici, 169 commentaires avec de très belles images. Je peux mettre dans les favoris. Ensuite, je peux venir espionner les détails de cette publicité. Je vois petit navire. Eh ben, je peux chercher du coup dans Advertiser. Je mets petit navire, ça me retrouve la page, chercher, et là j'ai toutes les publicités de petit navire. J'ai tout ce qui fonctionne pour lui, et je n'ai plus qu'à me servir pour répliquer pour ma propre stratégie, si évidemment je suis sur cette niche. Là j'ai pris une marque au hasard, vous allez cibler donc vos concurrents dans votre thématique, et vous voyez ce qui fonctionne pour eux. C'est simple comme bonjour. Donc en somme, si vous arrivez à attirer du trafic ciblé et qualifié vers vos offres qui convertissent, puisqu'il faut effectivement des offres qui convertissent, alors vous allez générer des ventes et des profits. Et plus vous aurez du trafic, plus vous aurez des ventes et plus vous ferez des bénéfices. C'est des mathématiques très simples. Vous attirez du trafic vers vos offres, vous avez des ventes. Ce trafic, on peut l'attirer de manière gratuite, ou alors en payant de la publicité pour aller beaucoup plus vite. Et avec notre outil Ad Club, eh ben, non seulement vous aurez une augmentation du nombre de prospects et de clients, mais vous allez surtout supprimer la phase test, la phase où vous perdez de l'argent en essayant, en testant pas mal de publicités, pas mal de produits, pas mal de formules, de phrases, etc. pour trouver ce qui fonctionne. Avec Ad Club, vous allez tout de suite trouver ce qui fonctionne pour les autres et ainsi vous saurez ce qui va fonctionner pour vous. Si ça fonctionne pour les autres, ça fonctionne pour vous. Et grâce à l'énorme gain de temps et d'argent que vous allez faire grâce à Ads Club, bien vous allez tout simplement multiplier votre chiffre d'affaires, multiplier votre bénéfice, optimiser vos résultats et catapulter votre business à un tout autre niveau. Alors, comme vous le savez, si vous connaissez l'Africom Academy, le principe, c'est que nous vous offrons des exclusivités. Il faut que ça reste une exclusivité. Je ne souhaite pas que la francophonie tout entière ait accès à nos outils et à nos méthodes. Donc, cela vaut également pour Ads Club. Du coup, il n'y a que 100 licences disponibles, 100 places disponibles uniquement. Il ne s'agit pas ici d'un abonnement. Je précise bien que quand vous faites l'acquisition de Ads Club, vous faites son acquisition à vie pour une durée illimitée. Vous l'achetez une fois et vous l'avez à vie. Vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'abonnement où chaque mois il faut payer, payer, payer encore et encore. Ça ne fonctionne pas comme ça avec l'Africom. Du coup, encore une fois, je ne veux pas que tout le monde ait accès à cet outil. Ça reste une exclusivité pour ceux qui souhaitent passer à l'action. Bien entendu, quand vous allez obtenir Ads Club, vous allez également recevoir des bonus avec ce logiciel de dingue. Du coup, en bonus numéro 1, vous recevrez une première petite formation où vous verrez une stratégie exclusive qui vous permet de créer des publicités au moins 10 fois plus virales que des publicités classiques. Vous allez voir que ce type de publicité va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de prospects. Ici, c'est vraiment pour acquérir des prospects. Ça ne sera pas pour générer des ventes tout de suite. Ça sera pour acquérir un maximum de leads, un maximum de prospects. Quand vous venez de lancer votre business en ligne, vous avez besoin de prospects. Ces prospects vont ensuite se transformer en clients, puis en clients fidèles. Ensuite, vous aurez des exemples de publicités gagnantes qui reposent sur les stratégies d'engagement. Vous aurez exactement des exemples de pubs qui fonctionne actuellement sur différentes niches, sur différentes thématiques. Ainsi, vous aurez de l'inspiration pour vos propres publicités. Et puis, vous aurez une petite formation pour apprendre à utiliser la publicité Facebook avec Ads Club. Donc, bien entendu, vous l'avez vu dans cette démonstration, Ads Club est vraiment très, très, très simple à prendre en main. Et puis, vous verrez que même avec un faible budget, eh bien, vous pourrez faire de très belles choses avec notre logiciel. Alors, quelle est la valeur de tout ce contenu? Ben, la valeur totale des formations que je vous offre aujourd'hui, elle est de 197 euros. Vous aurez également une utilisation illimitée et à vie de notre logiciel avec sa formation en français pour apprendre à l'utiliser. Et tout cela, cela vous fait un total de 394
euros. C'est la valeur totale de ce contenu, mais je vous rassure, pas de panique, ce n'est pas ce que vous allez dépenser aujourd'hui pour pouvoir acquérir tout ce package. Aujourd'hui, vous pourrez débloquer l'intégralité de tout ce contenu et obtenir une licence à vie de Ads Club pour un seul et unique règlement de 97 euros. Je ne peux malheureusement pas faire moins cher puisqu'il y a vraiment pas mal de contenu ici et Ads Club est un outil qui est ultra puissant. Normalement, ce sont des choses qui se facturent plus d'une centaine d'euros par mois. Du coup, ben, je souhaite vraiment offrir une exclusivité aux membres de l'Africom. Donc, c'est vraiment une belle opportunité aujourd'hui. Si vous avez un business en ligne ou si vous voulez créer un business en ligne, Ads Club va être un outil indispensable pour optimiser vos résultats. Bien entendu, cette offre s'accompagne d'une garantie satisfait ou remboursée. Si Ads Club ne vous convient pas et ne remplit pas vos attentes, vous pourrez utiliser cette garantie pour demander un remboursement. Mais je sais très bien que notre outil va vous rendre accro. Si vous aimez réussir en ligne, vous allez adorer Ads Club. Donc, pour ceux qui souhaitent dès aujourd'hui catapulter leurs résultats, passez à l'action dès maintenant. Les licences partiront très 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 vite. En général, je fais des sessions de 100 licences par 100 licences. Donc, s'il y a toujours de la place disponible, passez à l'action dès maintenant. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous allez recevoir automatiquement un mail avec vos liens pour créer votre espace membre, d'où vous pourrez consulter vos formations bonus et vous aurez également le lien d'accès à Ads Club. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail contact@freecom-academy.com. Je vous remercie encore pour avoir suivi cette présentation qui peut littéralement changer la vie de votre business. Et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de votre espace membre pour commencer à cartonner avec Ads Club. À tout de suite!